Bienvenue dans mon atelier avec IES. Je suis Laurent, guitare tech de Stéphane, et je vais vous présenter mon monde. Voilà. Donc, vous êtes ici dans mon atelier où je fais principalement de la réparation, modification, entretien des sons de musique, guitare, basse, et amplification aussi, entretien, modification, réglage. Donc, ici, c'est mon stand principal pour les instruments. Donc, avec les cordes de Stéphane justement, car je suis en train de préparer tout son matériel pour l'enregistrement de l'album live. Et donc on va faire un petit tour de tout ça. Donc c'est ici que j'entrepose tout son matos, donc son pédalboard, son rack principal, donc avec ses effets, ses amplifications et tout le matos, on va dire d'ailleurs. Donc tout à côté vous avez après le fly avec les têtes Mesa. Mark 4, qui ne sont pas dedans actuellement car elles sont modifications entretien. Donc elles se trouvent justement ici. Donc ces deux têtes, une et la deuxième qui est juste là. Donc là c'est les trois instruments, les trois guitares principales qu'il va utiliser pour l'enregistrement de l'album live. Donc pour tout ce qui est rythmique, il va utiliser une 8 cordes, donc Ibanez, Prestige. Donc c'est, elle est accordée un ton en dessous. Donc il utilise donc, des micros Seymour et les tirants de cordes de Diadario. Il utilise sur les 8 cordes du 10, 10, 13, 17, 30, 42, 54, 64. Mais la 74, elle est remplacée par une 78. Les trois instruments ont le même type d'électronique. Donc 5 positions, volume, tournant. Donc celle-là, c'est un vibrato fixe. Voilà. Ensuite il va utiliser sa première 6 cordes qu'il a eu de chez Ibanez, 7 cordes pardon, qu'il a eu de chez Ibanez. Donc elle va être principalement riff solo, donc toujours pareil, micro Seymour, accordage en tourne en dessous, donc là elle est équipée d'un Floyd, donc volume tournant, 5 positions. Après, pour les spécificités, je vous invite à aller voir la page Ibanez. Voilà. Et ensuite, son modèle custom. Donc, qui a été fabriqué à Los Angeles. Donc, 7 cordes, 4 verses. Donc, celle-là, par contre, les spécificités sont un peu différentes. Donc, il y a 27 frettes. Donc là, on a un humbucker, mais en format simple. Donc toujours pareil, c'est Seymour Duncan. Sauf que l'électronique est juste un peu différente. Il y a juste un volume et un système Seymour BMP pour avoir un petit préamp pour le boost. Donc toujours pareil, c'est une position Floyd. Est-ce qu'on a qu'à dire? Oh, t'es con. T'es pareil, à Jack. Donc vous pourrez entendre ces trois instruments et tout ce matériel sur le futur album d'Adagio, donc live. Et j'espère avoir le plaisir de vous croiser en tournée et de vous présenter directement tout ça. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.